77 personnes baptisées est le bilan du festival de baptême tenu dans la zone spirituelle de Yopougon le dimanche 21 avril dans la lagune Ébrié, Sisalo-Kodro. En effet, suite à ce week-end de salut et de guérison qui a enregistré 457 âmes gagnées à Christ les 13 et 14 avril, la dite zone s'est mise au travail pour promptement apporter aux nouveau-nés dans le Seigneur les premiers soins, à savoir la repentance et le baptême. Conduit par le pasteur Emolo Oka, dirigeant principal du sous-centre de l'EM, fidèle et loyal co-ouvrier du pasteur Innocent Lombé, premier responsable de l'église de Yopougon, l'Esprit de Dieu était à l'œuvre à ce festival. Les baptisés réunis sur la rive autour du pasteur Oka ont été exhortés à vivre une nouvelle vie qui glorifie le Seigneur Jésus-Christ. Si tu as connu 100 garçons ou bien 100 femmes, tu es doué. Quand on t'a mis dans l'eau que tu es sorti là, tu es vierge. Alléluia! Acclamez pour Jésus. Si tu es garçon, tu es vierge. Si tu es femme, tu es vierge. Même si tu as fait 5 enfants, tu es vierge. Alléluia! Parce que tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes là sont passées. Ceux qui vous ont conduit à Christ là, si vous avez un problème, allez vers eux. N'allez pas aller chercher les problèmes là, les solutions dans le monde. Alléluia. Avant d'être arrosé par des prières de bénédiction. Que le royaume de Dieu soit leur univers naturel. J'ai prié, Seigneur éternel, qu'ils reçoivent, Seigneur, des bénédictions qui sont promises, Seigneur, aux enfants de Dieu. Oh Père éternel, bénis-les. Qu'ils croissent en Christ. Qu'ils gagnent à leur tour des âmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes reconnaissants au Seigneur qui nous a accordé la grâce. Après le samedi 13 et le dimanche 14, avec ce grand week-end de salut et de guérison qui a eu lieu à Yopougon, sous la direction de notre leader, le pasteur Méné Benoufas, beaucoup d'âmes ont été gagnées, alléluia. Mais beaucoup de cahiers sont en cours, les frères sont en train de travailler avec eux. Dans ce jour, nous avons pu avoir 77 personnes que nous avons baptisées aujourd'hui. Alléluia. C'est une grande grâce de Dieu. Parce que le monde des ténèbres est en train d'être dépeuplé pour le royaume des cieux. Et pour ces âmes-là, nous allons continuer à travailler avec elles. Après les avoir conduit à la repentance, au baptême, nous allons les envoyer dans les délivrances, dans les brisements des liens, après dans les renversements des principautés. Pour que les âmes que nous avons eues soient complètement libres pour servir Dieu. Sans inquiétude. Alléluia. Amen. Et nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu. Parce que c'est une grâce. Quand une âme est gagnée à Christ, c'est le ciel qui est dans la joie. Et ce sont 17. Vous vous imaginez les trompettes qui sonnent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le ciel en ébullition, la joie est grande. Et les bénédictions descendent sur la terre. Le Seigneur nous a merveilleusement bénis en ce jour avec des baptêmes. Nous avons vu nos enfants engagés. Qui sont repentis de leurs péchés au nombre de 23. Et vraiment, je bénis le Seigneur qui se manifeste également aux enfants. Aujourd'hui, voilà, ces enfants, ils sont conscients de ce que Dieu a fait pour eux. Certains enfants, voilà, ont expérimenté la joie intérieure. Voilà, certains ont parvenu à ce côté, m'ont dit cela. Et je veux dire merci à Dieu qui également se souvient des enfants, qui nous utilise. Dans les temps à venir, nous allons penser à faire les brisements des liens. Et nous croyons que ces enfants vont grandir pour servir le Seigneur, pour gagner les âmes à Jésus-Christ, les ouvriers efficaces pour la moisson. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Notons qu'hormis ce festival de baptême, de nombreuses repentances et baptêmes ont été enregistrées. Les frères sont activement engagés à faire intégrer toutes les 457 personnes gagnées dans les assemblées de maisons.